Holly et aujourd'hui je vais faire une vidéo à propos de l'amélioration de mon français. Et ça c'est une vidéo que j'ai pensé de pour beaucoup de temps. Quand j'ai fait mes premières vidéos à propos de la France, j'ai pensé oh dans quelques mois je vais faire une vidéo à propos de toutes les choses que j'ai appris en français, les choses que j'ai vues en France. Et maintenant je fais cette vidéo et c'est très bien pour moi parce que j'ai appris beaucoup ici en France. Mais en même temps c'est un peu triste parce que ça veut dire que mon échange est presque fini. Alors j'ai été en France pour 3 mois et maintenant il reste seulement quelques jours. Alors je pense qu'à le moment mon français est beaucoup mieux que j'étais avant. Et aussi si tu veux regarder mes premières vidéos en français, tu peux. Il y a une vidéo que j'ai fait au Canada avec mon français et après ça il y avait quelques autres vidéos après 3 semaines et à la moitié de mon échange où j'ai parlé un peu et tu peux voir comment ça a changé. Je pense que vraiment, quand tu es dans une immersion d'une langue, tu apprends très vite. Alors tu commences à penser dans la langue et en rêver dans la langue. J'avais quelques rêves en français, c'était un peu bizarre, mais ça veut dire que maintenant je pense tout le temps en français. Et au début c'est très difficile, tu dois concentrer tout le temps pour comprendre ce que les autres personnes disent. Mais en même temps c'est génial parce que tu as l'opportunité d'écouter notre accent, notre langue. Et après il y a des choses qui se passent dans la tête et j'étais très contente avec ça parce que il y a un temps où quand tu écoutes les autres personnes tu dis oh je ne comprends pas. Mais après ça c'est les mêmes personnes qui disent les mêmes choses et parlent avec la même vitesse. Au début tu as pensé oh ils parlent très vite, mais à la fin tu penses oh ils parlent à une vitesse normale, je peux comprendre, c'est pas grave. Mais au début c'est comme les personnes parlent très vite. Et je pense que ça c'est juste parce que c'est dans une autre langue. Quand tu écoutes ça, c'est différent que ce que tu écoutes dans le pays que tu étais dedans avant. Alors c'est comme il parle très vite, mais en vrai c'est juste parce que tu n'es pas habitué avec les choses. Mais maintenant quand j'écoute les personnes c'est vraiment très naturel. Je ne pense pas de oh je dois concentrer maintenant je t'écoute parce que tout le temps c'est en français, c'est vraiment l'immersion. Quand je reviendrai au Canada dans quelques jours, je suis intéressée de voir comment je peux parler en anglais. Et je pense que c'est un peu bizarre d'écouter les autres personnes qui parlent en anglais tout le temps. Quand c'est dans un autre monde en anglais, c'était comme c'était une autre partie de ma vie, mais quand je reviendrai, je pense que ça va être naturel. Mais à le début, après quand j'étais en France pour 3 mois, c'est incroyable que c'était si long parce que 3 mois, ça, c'est comme c'est beaucoup de temps, mais après, c'est pas beaucoup de temps. Et quand tu es ici et c'est la fin, tu dis oh mon dieu, ça a passé très vite. Je pense qu'au début, la langue c'est un peu fragile. Tu dois être dans une immersion de la langue pour que la langue n'est pas très fragile. Parce que au Canada, quand j'ai parlé en français, c'était que pour 1 heure dans la classe de français à l'école. Et après ça, il y a l'anglais avant et l'anglais après. Alors, c'est pas le même d'ici où je peux parler tout le jour en français, écouter ça. Et après ça, si je pense dans la langue, c'est comme si c'est une partie de moi. Et après, je pense que la langue n'est pas très fragile. Alors, quand je suis au Canada, je peux écouter les informations ou lire les livres. Et après ça, je peux continuer avec la langue. Je pense que c'est aussi bon hein, dans l'échange. Tu apprends comment de suivre une conversation. Quand tu ne comprends pas, c'est un peu difficile de dire les choses dans la conversation parce que tu es juste concentré à oh, il a dit quoi et elle a dit quoi. Après ça, quand tu comprends ce qu'ils ont dit, tu peux aussi ajouter les choses et ça c'est une... Tu sens très bien avec toi-même quand tu fais ça parce que ça veut dire que les choses ont changé et tu n'as pas perdu. Alors maintenant, je vais parler un peu de mes expériences ici en France, l'école, mes voyages, la famille. Alors l'école en France, j'étais très contente avec ça. Et il sera très difficile pour moi de partir parce que j'ai des amis ici. J'adore la routine et les classes ici. Par exemple, la classe de français, j'aime beaucoup parce que je savais que j'aime beaucoup analyser les textes en anglais, les choses comme Shakespeare et les poèmes. Mais ici en français, c'est très beau quand tu peux lire les poèmes en français parce qu'il y a un rythme et il y a des choses que je pense qui sont très belles dans la langue avec les mots, avec les rimes. Et aussi les autres classes, j'ai trouvé ça très intéressant. Et tout le temps quand les personnes parlent avec l'accent, maintenant j'adore l'accent en français. Avec voyager ici en France, c'était génial. J'ai pris les photos et les vidéos incroyables. J'ai les moments que je vais souvenir pour toute ma vie. C'est vraiment incroyable de voyager parce que j'ai vu les choses que je n'avais pas vues dans ma vie. J'adore l'architecture ici, il y a les vues, les panoramas géniaux et
Aussi, c'est bien en France parce que les choses sont très proches. Alors, si tu veux aller avec beaucoup de types d'architecture, les régions sont proches, tu peux y aller dans une heure. Mais au Canada, les choses sont trop loin. Et avec ma famille ici, je suis très très contente. Vous êtes génial et je suis très très chanceuse d'être dans une famille comme vous. Et vous allez me manquer beaucoup. Et je ne peux pas dire comment j'adorais cette expérience, cette opportunité d'être ici avec vous. Et ouais, je vais souvenir tous les moments pour toute ma vie. Je suis très très contente et je vais partir avec les souvenirs. Je vais sûrement revenir en France parce que je vais voir Lucie et sa famille. Je pense beaucoup de fois que je vais revenir ici parce que c'est génial et j'adore l'architecture, j'adore les personnes, j'adore la langue, j'adore les tuiles, de voir les choses sur les maisons, je trouve ça très très joli. Et aussi, j'adore les volets. Dans le matin et dans le soir, je peux ouvrir et fermer mes volets. Et aussi, les baguettes. Les baguettes ici sont géniales. Je vais essayer de trouver les baguettes que je peux manger au Canada ou je vais les faire moi-même parce que les baguettes sont géniales et j'adore les manger dans le matin ou... Non, j'adore les manger tout le temps parce que les baguettes sont délicieuses. Alors pour le futur, je vais continuer de lire les livres en français. Ici en France, j'ai lu 6 livres en français. Et aussi, je vais regarder les informations et écouter les chansons en français. Et je vais essayer de parler avec les autres gens, les personnes de France. Alors je peux continuer avec mon français, bien que je ne suis pas ici. Donc voilà, ça c'est les choses que j'ai appris en France, les choses que j'adore. Du coup, après 3 mois en France, je pense que je peux mieux comprendre et mieux parler en français. Et quand je suis au Canada, je vais faire les autres vidéos avec la flûte et avec cuisiner et avec étudier. Et aussi les vidéos peut-être en français, peut-être les vlogs. Ça c'est ma dernière vidéo quand je suis en France. Et quand dans quelques jours, je vais être avec ma famille au Canada. Mais la France va me manquer beaucoup. À bientôt!